Et je dis à un gars de intérêt à la France, intérêt à les États-Unis d'Amérique, la question changer constitution pays d'Haïti. Maintenant, mon frère Dorval te dit, président de la République, là, Jovenel Moïse, ou pas capable de faire changement de constitution, ni amendement constitutionnel, ni réforme constitutionnelle avec le Parlement. Faut qu'on fait et ou pas capable organiser l'élection sans qu'on pas. Sans qu'on pas. Et ça, quoi, sans qu'on pas. Sans qu'on pas. Sans qu'on pas. Sans qu'on pas. C'est ça, Maître Dorval. Il était donc du côté de Jovenel Moïse. Et ça me dit. Oui. J'ai indiqué. Oui. Alors, est-ce qu'il était côté Jovenel Moïse? Non, alors. Alors non. Position. Position lieu. Par rapport en fait, avec ça, des discussions. C'était en fait le vœu. Côté Jovenel Moïse avait avancé là. Oui. C'est là, monsieur Moufeyo Dorval, t'a demandé pour l'aller. Sauf que il te voulait que vous faites bien. Voilà. Correct. Il va demander pour Jovenel Moïse en y prêter à lui-même seulement. Oui. Entrer pour une question de la question. D'ailleurs. Même clé dans ça. Jovenel Moïse, le président de la République, pas capable d'aller. Je vais aller là, si président de la République là, m'a dit ça, je veux dire là. Si président de la République là, foncez, la casse dans. En tout cas, on garde la question rapidement. La paix du pouvoir. Le président n'a pas du pouvoir. Mais le paix du pouvoir depuis 2018. Non, 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 non. De façon physique. De façon physique. Le président de la République là, n'a pas dessiné la terre là. Correct. Si président foncez. La question du référendum, non? Oui. S'il fonçait. Moi, je pense que nous, on tente la donne, on tente la donne, mais avant d'entrer la donne rapidement, il y a un dossier. Dossier mercenaire BRHO. Dossier ça tourne la sous. Ça, tu là. Encore. Ça, qu'a dit. Bon rapport international qui est déjà disponible. Mais alors, non, c'était l'autre partenaire qui était condamné. L'autre homme était venu avec les amis. Next, a une mission spéciale. Et l'autre n'a pas de mission. Dossier, mercenaire, banque centrale, yo. Dossier, ça a tourné. Madame, monsieur, le que sous table. Next, a une mission spéciale. Et prends une arrestation. Ouais, Fridjan, lui, voit monsieur dégager, mettez-vous dans mon côté. Fridjan, lui. Il était doué, il était doué, il était doué, il était doué, déjà. Hein? Il est caché là-dedans. Caché? Il est maintenant tout. En fait, banque est doué. Oui, il est caché. Pourquoi un rapport international qui est là sous question ça, oui? Et si vous avez bagage, ça a dépassé, ok? Haïti, t'as vu. Je parle de qui est dans le rapport, il y a un dossier. Parce que je ne sais pas que c'est le système bancaire international. Ok. Donc, Caraïbes là, pour un pays dans le Caraïbes là, tant que Haïti. Et puis, Banque Centrale, la nega ici, est une casse. C'est 80 millions de dollars dans la banque. Il peut maintenant tout. C'est dans le frère. Ah bon? 80 millions de dollars dans la banque. Ça dit là, le quoi? 80 millions de dollars. Comment tu as pris 80 millions de dollars, le quoi? C'est casse de une casse, mon frère. 80 millions de dollars de une casse dans la banque. Non, il n'y a pas qu'à une casse, banque là. Et maintenant tout. Yo Kevin font un job. Et maintenant tout. Ah ben pour faire job là, il casse venir, il casse pas là. Et pas négé, t'as cassé le monsieur. Qu'est-ce que t'as cassé lui? Et ben moun qui va job là. Non monsieur, pas moi, c'est eux même qui se volent, eux Miguel volent comme là. Non, loco. C'est casse venir casser le bras tout. C'est tête pas ce truc volé, moun qui ben oui, ben tout se volé. Mais écoutez. OK. Ça pire, c'est première fois mon courant ça. Tenez rapport à ce type, tenez rapport disponible pour eux, ça va passer. Tenez rapport disponible pour eux, maintenant tout. Comme si nous pensions que Haïti son pays, c'est pour nous lier, nous non vase clos, et puis nous faisons annuler. Nous faisons annuler. Ok? Nous faisons annuler. Si pas ça te passe bien maintenant, tu comprends nous? Qui s'est sauvé? C'est un coup, c'est. Pays là. Mais comme il s'est pas de courant. Comme il s'est pas de pression. Qui va de courant? Qui va de courant? Et DG actuel. Comme il s'est pas de pression qui va de courant? Et il s'est fait job lui. Il fait job lui, il fait travail. Il fait job là. Il va connaître non, monsieur là. Comment fait ma vie, monsieur Larry? Le job, il te fait, il juste job. On allait. Est-ce qu'elles sont petits? Il va mettre le coup en l'air. Combien de gens fait job? Parlons là. Les gens qui fait job, yo, dans le pays, ça a un pays qui n'a pas existé. Eh bien, ok. Oui, non, bon. En tout cas, Gounegla qui l'a gué. Gounegla surtout, avant de quitter le dossier. Nous ne voulons pas le droit. Nous chargez ma tête là. Gonti phrase célèbre que M. Doval te dit. Dans tout parler, il t'a parlé. Le pays n'est ni dirigé. Ni administré. Ouais.
Et tu vois ça, il était son nom déjà mal. Oui. Est-ce que son petit phrase était? Alors son phrase. Non, ça pas il était. De toute façon, mais c'est pas mon style d'appareil. C'est pas mon style d'appareil. C'est son constat que l'était fait. Alors Doval gagne, mettre Doval gagne un style louco. Le style c'est l'homme. Très bien. Le monsieur deal, il deal avec la arrogance intellectuelle. Très bien. Très bien. Les lab deal. Ouais, les forces. Faut pour voir qui force. Monsieur peut utiliser les lab. Et ensuite, sous question ça, toujours pour nous quitter le net. Très bien. Il y a du le côté de là. Son combat qui vient de mettre là face à face les États-Unis et la France. Et la France, clair. Parce que Maître Dorval luttait pour le changement de constitution, mais c'était les intérêts des Français. Les Français, mon frère. Qui, lui-même, qu'il devait sauvegarder. Alors que, non, l'objet des projets de constitution, ça, c'est les États-Unis qui, lui-même. Donc, ça, c'est son bataille qui là, son bataille. Américain, français, sous-question de son pays. Guillaume Givlel, Guillaume Givlel. Et puis de quoi nous parlons, et puis nous avons parlé de qui. Est-ce que nous comprenons pas, mesdames et messieurs? De quoi nous avons l'autre qui là, citoyen haïtien, nous avons des marionnettes, il y a manipulé. Et puis, ouais, ça fait de nous, à faire constitution, changer Haïti, c'est pas ça, pas. Nous savons pas ce que nous avons pour avec Haïti. Il n'y a pas seulement concerné Haïti seulement. Parce que nous avons constitution, il y a des enjeux économiques. Politique, sociale et culturelle. Et bien, je me rappelle un bagage que vous avez toujours dit, Louko. Qui prie, qui s'acte dit dans votre Venezuela? Ah, mon frère. Pas jamais oublié le bagage ça. Toujours dit. Pas jamais oublié le bagage ça. Qui prie votre là? Qui prie votre là? Qui s'acte dit? Correct. Pour votre Venezuela? Correct. Qui s'acte tout? Qui échange? Qui s'acte dit? Qui promesse qui te fait, par exemple, des jours? Ma bon ça, ou bon, qui soit bon moi-même? Soit bon moi-même. Correct. Soit bon moins, en tout cas. Très important. Très important. Ici, c'est matin débat. On allait. Haïti Constitution. Nous allons parler avec M. Wilson Joseph, avec Notaire Gary et M. Compobo, ils sont là. Et on regarde rapidement, monsieur. Et avant de recevoir, monsieur. Haïti Constitution. Dossier référendum. Le référendum prévu le 27 juin 2021 sera-t-il reporté? Plusieurs acteurs politiques, dont le sénateur Joseph Lambert, s'opposent contre le référendum. Papa tourné. Il y a trois sorties qui vont sur le référendum qui n'est pas innocent, qui n'est pas un hasard. La sortie de l'ancien candidat à la présidence, M. Éric Jean-Baptiste, du RDNP, c'est pour sortie qui est innocent et ce n'est pas un hasard. La sortie du sénateur Joseph Lambert. Sous question référendum avec position qu'on a gagné, il n'est pas innocent de maintenant tout, il n'est pas en et dans mon mal fait là. La sortie de Guichard Doré, conseiller du président de la République, il n'est pas innocent, il n'est pas en hasard. Il a mis tout la sortie du sénateur Maurice Chinchal, comme lui-même était de la réposition par sous question référendum. Non? Donc, même qu'à toujours considérer. Parce qu'on nous dit ça, sénateur Lambert, on est. Qui j'aime qu'on ait position extrême ça et radicale. C'est pas un monde ordinaire, il faut le dire. Hein. C'est pas n'importe qui. Je préfère dire que ça a gagné longtemps le bagage. Oui. Non. Extrémiste, comme ça. Ouais. Et n'a pas rappelé. Et n'a pas rappelé, ok, pour archive, M. Joseph Lambert, tu as eu rencontre avec le président de la République là, sous question référendum même, et qu'elle t'a demandé président. Pour demander président. Le président est invité là. Le président est invité là. Il est clair sur ça, le président, ça fait Sénat. Vous mettez foncé dans la question réforme constitutionnelle là. Vous mettez foncé dans la question référendum là. Pas de problème avant, mais seulement. Pas moi, un Sénat. Et président, c'est pas M. Moll. Très bien. M. Vin contrôle le président à foncer. Très bien. Et dans route, M. le président a pris. Pas un Sénat là-dedans. M. Rivé, dans la situation, il faut prendre responsabilité avec l'homme sud-est. Très bien. Très bien. C'est une question d'éthique. Gros intérêt, Capuel. Non, c'est gros intérêt. Parce que l'on dit Joseph Lambert, ou dit Kazek, ou dit député, ou dit sénateur deux fois. Président. Président Assemblée nationale. Du tiers restant du Sénat. Sénat. Je dis à la.
ou ka dit sauvre, c'est lui le président du Sénat oui. pour le moment. Et il est un interlocuteur important pour l'international. Il n'y a rien qui a fait ce pas composé avec Joseph Lambert. Donc c'est dans Lambert, écoutez, madame, monsieur, il va bien me faire sortir. Ok? Et dans le niveau ça, s'il pas connaît effectivement que tu as une chance pour référendum en fait. Ainsi que l'ancien président à la gauche. S'il pas de ou les gens de la gauche. Non, c'est que le pas de gauche. Les sentines n'y ont pas l'air que le référendum. Tant que pas de gauche, une certitude que le référendum n'a pas fait. Et pas qu'à fait. Ceci dit. Ainsi que pour l'ancien président à la présidence, l'ancien candidat à la présidence, M. Éric Jean-Baptiste. Si Éric Jean-Baptiste pas connaît que pas de moyens pour le référendum ça fait, il va gagner position ça là qu'on y a là. Monsieur, on a seulement besoin de 1 500 000 moun. Pour voter seulement. Oui. 1 500 000 moun. 1 500 000 moun. Alors, 1 million, c'est combien? Ah, vous avez tout ce que là, c'est des détails. Non, mais non. 1 500 000 moun. Je veux dire 1 500 000 moun pour voter. C'est pour voter le référendum. Sénateur Joseph Lambert, bienvenue à l'émission Antenne Débat. Comment est-ce? Comment ça va? En forme, Sénateur Lambert. En tout cas, tout le pays en parle. Dernière intervention sur la question donc, du référendum, il fait tache d'huile donc, dans les médias, sur les réseaux sociaux. Et ou clair, ou quoi fermement, pas de moyens pour le référendum le 27 juin? Écoutez, la position que m'exprime, c'est la position du sénateur Lambert, c'est la position du citoyen Lambert. Et comme tout politicien, position moins, il n'est pas capable d'évoluer. Mais ce n'est pas la position du président du Sénat, non? Non. Pour que ce président Sénat qui a proposition ça, pour qu'il ait un mandat, une résolution c'est qui a adopté. C'est pourquoi j'ai posé la question. Parce que là, on t'a pas obligé de parler au nom de tous les sénateurs. Donc tous les sénateurs, ça veut dire excusez. Et c'est pas peine du tout. Très certainement, pour que tout sénateur soit en boulot. Très bien. Pour que sénateur, et je vais essayer de convoquer une séance mardi avec tous les sénateurs pour qu'au moins nous soyons capables d'arrêter la position du Sénat de la République. D'être chargé. Et dont Joseph Lambert a toujours perdu le porte-parole de l'Assemblée des sénateurs. Très bien. Mais moi, pour une précaution, pour faire convocation. Alors, permettez-moi de vous dire que l'IWE que vous prenez pile précaution pour faire convocation. Précaution, non. Bah, il faut convoquer les sénateurs. Parce que c'est au moins comme président Sénat, il y a qui a autorité de convocation. Très bien. Alors, s'il y a autorité de convocation, je peux convoquer les sénateurs à n'importe quel moment de la durée pour une débat sur un sujet d'actualité. Et le sujet d'actualité maintenant, il parle d'autre bagaille que la question du référendum, la question des élections, la question de l'insécurité, qui pour moi-même, ce sont des éléments fondamentaux sur lesquels l'Assemblée des sénateurs doit le même prononcer. La question aussi du Sénat, l'existence du Sénat en tant que corps, un Sénat qui vieux de quelques 207 ans, 208 ans, et puis qui, dans un projet de constitution particulier, pour parler à ce prétexte, ce n'est pas un problème avec le comportement XYZ ou Z sénateur. Quel est le problème avec XYZ ou Z sénateur? Et que le comportement ne soit pas qu'à réprimer. Parce que nous avons un arsenal pénal qui n'est pas suffisamment costaud qui peut permettre qu'on prenne telle mesure que les droits. Et par conséquent, donc, il faut tirer les leçons de ça qui passera dans un projet de constitution. Eh bien, il faut prévoir, on mettait tout un dispositif, un arsenal pénal qui peut permettre que. Un sénateur de la République doit avoir un comportement donné sous peine de sanction 1, sous peine de radiation 2, pour que la majorité, la décision de la majorité, qui est un régime démocratique, capable de toujours prévaloir sous une position minoritaire. Très bien. La question, c'est, ça c'est le premier aspect question. Deuxième aspect question, moi je n'ai pas parlé de
sénateur, c'est qui, sénateur, c'est là. Bon, ma commis, j'ai cité un nom, ma cité Stanley. Ma dit Stanley, je suis pas d'accord ensemble avec lui. Tout comme lui, je suis favorable à un amendement, c'est-à-dire un changement de la Constitution. Ça, nous sommes d'accord là-dessus. C'est du pareil. C'est du pareil même. Moi, je suis tout à fait d'accord. Parce que nous croyons qu'à chaque fois, même dans un arsenal juridique en place, à chaque fois qu'on est obligé d'ajouter. Regardez là, aux États-Unis, après chaque passé triode-là, on voit que le président et l'exécutif américain soumettent à l'appréciation du Parlement, eh bien, on loi qui sont capables de réguler et comportement policier. Son loi qui vote dans la Chambre des députés, dans la Chambre des représentants, mais qui peut passer dans le niveau du Sénat républicain. Le problème qui se pose aujourd'hui, il est plus un problème institutionnel. Il suffit de définir les prérogatives propres à chaque entité chariot, qui sa Sénat a gagné comme prérogative dans la nouvelle constitution, qui sa Chambre des députés a gagné comme prérogative dans la nouvelle constitution, et qui sa qu'on a permis aux députés de gagner la latitude lui-même pour faire, en passant pour ne pas embrayer le pays à se battre lorsque il y a des décisions importantes qui peuvent aller dans le sens de l'intérêt national. Là encore, il n'y a pas de problème avec ça. Mais par contre, et la forme pour moi-même, ils sont des gars qui sont importants. Dans le fond, en fait, on est tous d'accord, mais c'est la forme. Hein? C'est la forme. Pourquoi, Luco? Lorsque vous gagnez d'abord une constitution qui vit en article 244.3 et que les gens pour amender. Ça m'a fait là, c'est un redit, mais m'a fait un ajout pour que l'éclat pour bien comprendre. Et c'est ça, tout m'a tout profité de faire leçon à certains mecs qui défendent ça. Qui devant ça, mais qui j'ai pour toucher, mais qui j'ai pour changer, mais qui j'ai pour amender. Mais les mecs qui allaient courir là dans la housse, le proposé intellectuel, et puis ils devant ça, eh bien, amender, pas même d'abord avec changer. Mais on peut aller sur Google, qu'il y a pour tout le monde, parce qu'au moment où il y a moi, il y a sur Google. Qui est synonyme changer? Qui est synonyme amender? Ça, c'est un bon pile, c'est un morpho, c'est un vesti, modifié, etc. C'est du pareil au même. Par contre, constitution, je ne sais pas pourquoi, mais lorsque il y a là, il n'y a pas un mécanisme qui est en place, en l'absence d'un parlement, qui est capable de faire la constitution 87 la demande, eh bien, ou bien une formule politique qu'on a utilisée, qui a baillé une mesure qu'on a pris suffisamment de légitimité, et de légitimité à travers, bien sûr, un accord politique. Un accord politique qui mettait au date, qui mettait tout dit, et que nous sommes d'accord pour un changement de régime politique. Nous sommes d'accord pour que la constitution soit modifier, changer, altérer, métamorphoser et autres, etc. Nous sommes d'accord pour que nous mettions le sujet en débat. Ou bien capable de d'accord là, attention, à nous questionner le peuple là pour nous dire comme ça, en plus de l'accord politique là, pour nous dire le peuple là, est-ce qu'elle est d'accord avec un changement de constitution? S'il dit oui, eh bien, le projet de constitution comme tel, eh bien, il doit le faire route, oui. N'a pas soumettre lui à qui de droit pour que dans le moment qu'il faut, eh bien, on prononce sur lui. Bien. Mais lorsque Kounia a ouvert son passage en force avec cinq monde qui, comme des cas de trier sur le tas, et pour dire comme ça, bon, mais poser qu'il y a un projet de société, un nouveau projet social. Eh bien, on a un ensemble de monde qui dit, mon cher, maintenant, il est bien comme ça. Et surtout que le Sénat, en tant que tel, n'a jamais été une fois consulté. Le Sénat n'a jamais été consulté. Eh bien, lorsque le Sénat a consulté, eh bien, là, il pose des problèmes parce que nous sommes 11 élus légitimes au niveau national. Okay. Il n'y a pas que le président de la République. Le président de la République, là, il fait tout le temps consultation. Oui, oui, mais c'est Saint Lambert, et lors de votre dernière rencontre avec le président, et est-ce que pas de garantie pour te, en fait, et permettre que le sénateur ait un droit de regard sur l'action de la poser? Il te pose tout problème ça avec le président. Il te dit tout ça net.
Mais les bagages aussi, nous parlons à l'opposition, pas des fois, c'est le travail. Parce que nous sommes des petits institutionnels. Très bien. C'est-à-dire que les bagages qu'on dit à l'opposition, eh bien, pas mon réseau pour mettre dans la rue. C'est-à-dire que vous faites que nous passons d'un homme d'État. Mais, en toute honnêteté, tout samedi dans la radio que nous pas d'accord ensemble avec vous. Vous dites en face. Président, vous dites tout. Donc vous acceptez, vous acceptez référendum, non? Mais moi, un an que président pas retiré le Sénat de la République là, dans la question nouvelle constitution. Autant de questions, bon. Isaïe. Bon, c'est tout à fait légitime. Ah. Parce que nous n'avons pas caché pour institution. Avec un mandat, une constitution qui vient de plus de 206 ans et puis, lorsqu'il est connu là, son saut d'humeur et pour dire comme ça, et que on a changé la constitution en tant qu'aux hommes, mais en tant qu'on sondage, et puis 99% de dit au Panachina. Où est-ce que nous te défendons ici? Nous te défendons pour ça, et point de vue ça, donc ici. Non, exactement. Il y a des gens qui sont frères, d'ailleurs, tous les trois gens qui sont dans l'équipe là, nous tous les quatre, et c'était trois mon allé pour un moment qui t'a fait débat. C'est ça. Moi, nous tous les trois, je dis, fais attention. Parce que sur internet, on se sur internet, ou quand même 12 ans. Il n'y a pas que ça. Il y a le Sénat en tant qu'institution. Ça, c'est un. Il y a aussi la manière de faire. Eh bien. Mais on est d'accord avec le sénateur Lambert. Nous ne doit pas obliger qu'il y ait trois sénateurs tout par département. Mais comment au moins, nos pays, côté où dit qu'on s'en a des difficultés économiques, et qu'on peut essayer de dégraisser. Ouais. On peut dégraisser. On peut même avoir 11 sénateurs, 10 par département, un pour la diaspora, un sénateur, deux par département, un pour la diaspora, pour dégraisser. On peut aussi prendre des dispositions pour que les sénateurs, si bien les gens sont à la carte, pas de travail, et bien c'est leur présent dans séance européenne. Très bien. Ça veut dire que le nombre de députés que nous avons là, nous n'avons pas autant de députés. C'est ça. Autant de députés. Très bien. Ça veut dire que, mais dit que l'institution. Nous avons des députés maires tout. Nous, là, en plus, nous avons des députés maires pour gagner le même salaire là. C'est ça. Tout comme on n'a pas besoin d'avoir trois casettes. C'est ça. Avec nous, on doit gagner un seul maire, un seul cadre qui va avoir besoin de conseillers. Très bien. Avec lui, que tout l'ensemble de la gagne, c'est ça qu'elle nous dit. La proposition de Tardu et son opposition et travail Tardu à son travail est intéressant, un travail exceptionnel. Et d'ailleurs, c'est Tardu, il faut l'admettre et reconnaître, c'est la Chambre des députés, sur la roulette de Tardu comme de la commission, qui fait plus gros débat et qui rencontre le plus de monde possible pour défendre une question diaspora. En la constitution. Faut que nous lancions le travail, monsieur, mes amis. C'est bien. Nous n'avons pas qu'on n'a pas qu'on travaille ça, qu'on travaille pour nous n'a dans la poubelle. Donc, en fait, je dis... Ça, c'est mon premier aspect question. Le deuxième aspect question, je dis pour la forme. Écoutez, vous parlez du Parlement qui, dans le fonctionnement normal, c'est pour faire amendement constitution. Vous voyez à quoi poser la légitimité, côté gouvernement. C'est chez lui, elle bat la légitimité à un, dans l'accord politique, et deux, soumettre le Parlement, le Sénat, ou bien Sénat, pour avis. Pour avis, ou pas demander le prononcer, non, pour bailler un avis. Et là, ça qu'il y a là, ou bailler un quête de légitimité. Personne, et puis en plus, la commission. Commission trop fermée. Donc, travail commission, hein, c'est pour le prendre, pour nous venir à l'autre secteur, pour faire représentant, comme des cas du Baou, représentant droit monde, et autres, etc., impliquer la donne, pour que l'on soit capable de plus inclusif que possible. Moi-même, ma suggestion personnelle, ça, c'est un point de vue personnel. Point de vue personnel, moi, je crois que, un, le président a tout intérêt à. Pour un an, camper sur question référendum momentanément. Deux, cherchons un accord politique. Très bien. Alors, c'est là que je voulais arriver avec vous. C'est là que je voulais arriver avec vous, sénateur Lambert. Là, il est clair que tous les signaux presque montrent que le référendum est capable de reporter. Alors, avant que vous notiez par la voix, intervention par Mme de dire que
Sénateur Joseph Lambert pas sorti comme ça pour une position aussi ferme sous question référendum. On te parle tout en fait de l'ancien candidat à la présidence Éric Jean-Baptiste du parti RDNP. Il pas sorti comme ça pour une position ferme sous question référendum ainsi que l'intervention de Guichard Doré ce matin. Il était clair ouais que il commençait à biaiser ces questions qui qu'a faut comprendre que nous capables de report donc du référendum. Maintenant si le référendum n'a reporté, l'éclair, ce serait en fait un échec pour le président Jovenel Moïse, politiquement. Bon, on est d'accord. Donc, ça m'a dit, madame. Ou en politique, politique, là, son bagage est dynamique. Pas jamais un échec, véritablement, en politique. Ou fait pour transformer toute défaite, comprends? Pour transformer lui en victoire, non sans donner. Oui, mais vous connaissez l'opposition, on va le quitter comme ça tout. Parce que Babli est. Non, écoutez. C'est politique qu'a fait. Il n'y a pas qu'à un échec pour le président. Le président se montrerait pragmatique et intelligent dans un contexte de bouleversement général. Ok. Je vais vous dire, un report du référendum permet que. Moi-même, personnellement, comme Joseph Lambert, comme coordonnateur parti politique Kouna, moi-même, comme collègue sénateur, nous t'avons encouragé tout sénateur. Écoute, même sans président, sans autant, pour autant, sans président, sans autant, et puis par la même occasion, m'avait tout le monde d'une chute là, sur ce dialogue-là, pour venir ouais, la meilleure formule pour retirer le pays dans l'obéir-là. Parce que, après Jovenel, après le président Jovenel, a toujours gagné. Pour le président. Mm-hmm. Et puis, la vie continue. Mais oui. Le pays a lié de nous-mêmes. Nous pas qu'à démolir à 100%. Et c'est ça que me dit, nous pas écarté aucune possibilité à n'importe quel moment de la durée pour nous rencontrer avec le président Jovenel et puis pour faire valoir en position donnée. Et si les sénateurs capables, tous les sénateurs sont capables de mêler de la partie, pour que au moins le Sénat est capable de position commune pour nous faire avec le président en commençant d'abord par une suspension ou bien un arrêt momentané de processus de questions référendum, non, pour que nous cherchions un accord politique là, et en forme d'accord politique là, pour ouvrir une refonte du conseil électoral et ouvrir le conseil électoral là, selon le modèle 289 constitution haïtienne, non. Et puis faire de telle sorte que ouvrez CCIA, ou faites l'autre monde travail là-dedans, dans un délai de 15 jours, de 10 jours, ou bien de 1 mois, etc. Et puis lancer processus électoral là, lancer processus électoral là, mais le CEP doit être crédible et les membres du CEP doivent pouvoir être, il faut que au moins assermentés. Très bien. Oui, mais il y a des gens qui ont dit, en fait, surtout du côté de l'opposition, et pas un moyen pour gagner encore politique avec Jovenel Moïse, vu que il est déjà prêt à aller d'échec en échec, il n'a fait mandat. Donc, au contraire, plutôt nous presser, pousser, mettre le dehors pour être capable de quitter le pouvoir. Parce que il y a encore politique pour d'aucuns, il y a qu'à penser que c'est force de voir Bali. D'ailleurs, autant de discours à nous, dans l'opposition. Pas grand force qu'on va être Jovenel, ni pas grand faiblesse, tout comme je dis. Nous croyons que c'est un pas vers le renforcement de la démocratie. Pour montrer au monde entier que Haïtiens capables de faire preuve de dépassement de soi. Haïtiens, leur ils ont carrefour, ils sont capables de chiper ensemble, ils ont échangé, ils ont baillé position, ils ont fixé position, et joignent la formule consensuelle. Moi-même, peut-être c'est capable de qualité ou bien des formes. J'aime dire les choses, j'aime sentir et j'aime comprendre. Et si on va chercher mentir dans la bouche, on pas besoin de mentir dans la bouche, parce que Lambert, comme des cadres transparents. Ça que m'a dit face à face, ou ça m'a dit dans la radio, m'a dit lui dans la radio, tant qu'on m'a dit lui face à face. En plus de bagaille que je dis là, c'est bagaille que m'a dit que je viens depuis déjà 2 ans et pic. Pour m'a dit bagaille. Louko, m'a fait une vérité. Au départ du président du premier ministre Michel Lapin, il avait personnellement proposé au président. Et même à bon nombre d'amis de l'opposition démocratique. Okay. Mais dit, monsieur, il faut un accord politique. C'est tout le discours. Il faut un accord politique. Oui, ça c'est vrai. Et nous dit,
Moi, prêt pour m'offrir tête, moi, malgré mes 3 ans et demi mandat sénateur, je suis prêt pour m'offrir tête, moi, en holocauste. Pour nous, dans tout président, dans mon poste premier ministre, pour 3 mois, le temps que nous avons un accord politique là, okay. Et puis pour nous prendre pays, a définitivement nous été sur le chemin de stabilité. Je dis président, moi, je dis président, m'a demandé en retour. Une seule bagaille, deux bagailles. Ma toute la retraite définitivement. Ma demandé au pouvoir moins une décoration ordre national honneur et mérite d'être grand chevalier. Vous m'avez ça. Et deuxièmement, oui. Et me dit ma position ça. Et il peut témoigner. Et me dit, président, comme il faut que je travaille quand même dans la ville, je vais perdre du reste en République dominicaine pour moi. Avec mes prises que nous avons, si nous avons deux doctorats, okay. Et sur cette base, je m'ai demandé pour nous mener un poste, non pas un poste de responsabilité, non, ni ambassadeur, ni consul, non, okay. Mais un poste en République dominicaine pour nous capable au moins aller faire deux doctorats pour me faire du reste. Okay. Moi, je dis et ta contribution personnellement à pays à perdre 3 ans et demi de mandat de sénateur. Pour un poste de sénateur, pour un poste de premier ministre qui allait de 3 mois à 3 mois, okay. Juste pour nous capables de faire l'accord là, parce que j'avais presque, j'étais à 2 pas de trouver l'accord sans souhaité par le peuple haïtien. Mm. Mais tu vois, il ne faut jamais désespérer dans la vie. Je dis, je ne pourrai jamais être le premier ministre du président Jovenel. Je ne me serai pas non plus. Mm. Je ne peux pas être aussi son ministre, quelles que soient les conditions. Mais je veux être une personnalité politique qui dit parole là. Jean Dwédio est qu'a toujours lui-même cherché compromis avec consensus sur tout ça possible. Mais si vous n'y a là, tout ça, ça y en force, qu'on voulait faire, là, ça a tout n'y a dit à président, nous a montré tout le monde que nous avons graines dans elle, et bien nous chaîne a montré tout, que nous avons graines dans le monde tout, excusez-moi l'expression, et la montré que nous avons graines dans le monde tout, et que nous avons fait face carrière. Advienne de pouvoir, c'est comme dans des ministres Gonzague Gué, l'homme qui me dit ça, maintenant, bien soir, je fais une personne qui a fait qui est derrière. Et puis il dit, ma passe code pour m'arrêter, ni sénateur, ni l'autre monde qui pensait que j'ai fait passe carré dans le niveau référendum. Et ma